wonderforest.com. Et donc, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau match. Donc, match typiquement anglais entre donc Manchester City et l'équipe de Chelsea. Donc, on va passer à au match. Et donc, c'est parti. À l'Etihad Stadium. Dans ce match typiquement anglais, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les Citizens face à l'équipe de Chelsea. Manchester City. Manchester City line-up today. Number 2, Kyle Walker. Number 30. Voici Liverpool qui est première, Leicester deuxième, Chelsea troisième et Manchester City quatrième. Donc 25-26 points, 25 pour Manchester City et Chelsea avec 26 points. En tout cas Manchester City qui a meilleure attaque donc de première ligue. Vous pouvez voir que c'est vraiment le jeu pour la place, la quatrième et la troisième place, pour faire un petit peu podium. Pep Guardiola qui espère un petit peu mieux que ce qu'il fait pour l'instant. Donc voici la composition de Manchester City avec tout d'abord Ederson en goal. On aura donc Walker, Angelino, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Rodri, Silva, Aguero, Sterling. Oui, sur le club Guardiola. Maintenant Chelsea avec Kepa, Arrizabalaga, Azpilicueta, Zuma, Tomori, Alonso, Kanté, Jorginho, Mount. Et on aura Willian, Abraham, Pulisic. Position de Frank Lampard. On a pu notamment entendre ici l'hymne de Manchester City. Ballon déjà récupéré par les Citizens. Kevin De Bruyne récupère le ballon avec Bernardo Silva. Et l'arrêt de Ederson. L'un des meilleurs gardiens, en tout cas, en Angleterre, en Première Ligue. On va essayer d'arranger un petit peu plus la caméra, que ça soit un peu plus présentable. Et déjà le corner avec Kurt Zouma. Attention l'arrêt de Ederson. Ouais, la tête orchestrée par Luis Mount. Pardon, désolé. On va passer au match donc. Ederson qui renvoie le ballon avec Kyle Walker, Angelino pour Kevin De Bruyne, Rodri. Kevin De Bruyne qui, je vous rappelle, revient lui aussi de cette semaine de folie, de dernier match donc des Diables Rouges en European Qualifier, ce qui s'est très très bien passé, même 9-1, je vous rappelle, 9-1, 6-1, pardon, le score entre les Belges et l'équipe de Chypre. Ouais, le but pour Chelsea. Et voilà, ça commence très très bien.
Le premier but donc en faveur des Blues. Les Sky Blues qui eux par contre ont un peu plus de mal. Hein. Ici dans ce match. Et c'est Jorginho qui vient du coup marquer le but. Lui qui revient lui aussi de dernier match d'European Qualifiers. Mais lui par contre c'est 9-1 à Italie. Arménie. La frappe. Oh le but. Oh le but exceptionnel là. La décision de Manchester City. Avec Bernardo Silva. Ouais, ça commence très très bien. La réponse. La réponse du berger à la bergère. Et voilà, l'équipe de Manchester City qui décide de prendre le taureau par les cornes et préfère aller de l'avant. Et effectivement, c'est bien fait. 1-1 donc. Et les supporters se réveillent un petit peu avec Azpilicueta. Récupération pour l'équipe de Chelsea, voilà. Avec Abraham. C'est pour Willian. Willian, attention, c'est pour Abraham. La frappe de Chelsea. Et le but. Et le but de qui? Je vous le demande. C'est encore lui, c'est Mount. Qui vient du coup marquer. Qui a buté sur Ederson. Frank Lampard, qu'on peut voir ici. Ah non, c'est Pulisic. Désolé, mia culpa. C'est pour Sayo Aguero qui se délibère d'une situation assez difficile. Attention, c'est pour Pulisic. Théodore Abraham. Alonso. Pulisic. C'est pas fini, attention. La défense d'André Ligno. Ah non, encore une mauvaise passe orchestrée par l'équipe de Citizen. Bernardo Silva qui va être sanctionné d'un carton jaune. Et voilà, le premier dans ce match. Et Abraham qui effectivement était taclé juste avant la surface. C'est du coup un coup franc à 24 mètres du goal avec Willian. Ouais non, Willian qui a tenté le coup franc un peu trop flottante à cette frappe. C'est pour du coup Ederson. Nicolas Otamendi. Avec Zinchenko. Voilà pour Bernardo Silva, Rodri. Kyle Walker. Kevin De Bruyne. Ouais non, ballon perdu, attention. C'est pas fini, c'est pour Willian. Pour l'équipe de Chelsea. Le tacle de Nicolas Otamendi. Joueur argentin. C'est du coup un coup franc. Avec Willian. Le coup franc tiré. Attention, Kai Walker. Oh non, attention, c'est pas fini. La frappe de N'Golo Kanté. Et c'est bien revenu de Nicolas Otamendi qui vient quand même gêner N'Golo Kanté face à sa frappe. Et effectivement, il vient un petit peu sauver le gardien. Pour l'instant, est en train de subir beaucoup, beaucoup de frappes. Attention, c'est pas fini. C'est pour Zinchenko. Zinchenko. Et c'est pour Raheem Sterling qui est hors-jeu. Raheem Sterling, on va aller revoir cet hors-jeu. Ah oui, vraiment, à deux doigts de ne pas être hors-jeu, mais il est hors-jeu.
l'attaquant anglais. Attention, c'est pas fini, c'est pour oh non, c'est mal fait, c'est très très mal fait avec Christian Pulisic. C'est pour Marcos Alonso. Ballon récupéré pour Bernardo Silva avec Kevin De Bruyne, Rodri, Sergio Aguero avec Bernardo Silva encore, numéro 20. Attention à la frappe de David Silva. Et Keipa Arrizabalaga qui vient arrêter le ballon. Ouais, là le tacle, l'arbitre ne peut ne pas le voir. Kevin De Bruyne qui va donc écoper lui aussi d'un carton jaune large. Ah là, il le mérite amplement, Kevin De Bruyne. Le tacle, effectivement, qui est totalement illicite. Voilà. Pour reprendre le ballon, il y a d'autres possibilités que ce genre de tacle. Attention, c'est pour Pulisic, Christian Pulisic. Un joueur américain et ballon pour André Ligno. Avec Kevin De Bruyne. C'est pour du coup Bernardo Silva. Voilà le tacle sur Bernardo Silva. Et peut-être un carton jaune pour Marcos Alonso. Et voilà, carton jaune pour Marcos Alonso. Qui est le premier averti côté Chelsea. Sur deux avertis côté Manchester City. Et Frank Lampard qui lui explique de tacler un peu moins violemment avec Bernardo Silva pour le corner, enfin pour le coup franc. Ouais non, le ballon. Ah, les supporters qui mettent un petit peu de voix car ici c'est un corner. Avec David Silva. David Silva qui tire le corner. Et le ballon qui n'a été que touché par un des défenseurs de Chelsea. Pas de chance. Avec Théodore Abraham. Théodore Abraham qui est très très fort physiquement. Zinchenko, ballon pour David Silva, bien donné. Oh, à deux doigts d'être donné pour l'attaque côté des Citizens. Attention, Willian qui est bien lancé. Il y a Théodore Abraham qui est tout seul. Et c'est surveillé. Et c'est beauté, et c'est à côté. Christian Pulisic qui a tenté sa frappe, mais c'est un peu à côté. Pas de chance, c'est pour du coup Ederson. André Ligno. Oh, attention. Mount qui avait donné. Ballon récupéré. Avec Zinchenko. C'est pour David Silva. Joueur espagnol, attention, c'est pour Sergio Aguero. Il y avait un petit tirage de maillot aussi, hein, côté Chelsea. Apparemment, monsieur l'arbitre qui n'a pas décidé de siffler cette faute qu'il a jugée dans le jeu. Mount, attention. Ballon pour Zinchenko. C'est pour Kyle Walker qui est bien lancé sur l'aile. Son aile qui est totalement libre. Et attention, il y avait Bernardo Silva qui a été bloqué par un des défenseurs de Chelsea. Les dauphins Chelsea qui pour l'instant... n'arrive pas à concrétiser toutes leurs actions, mais une partie. Et attention, c'est Aguero qui a été bloqué. C'est du coup pour Mount. Jorginho, attention avec Théodore Abraham et Ederson qui vient bloquer le ballon. C'est pour Nicolas Otamendi. Non,
Mauvaise passe, très très mauvaise passe. C'est totalement raté, c'est très très mauvais. Ballon récupéré pour Ederson. Nicolas Otamendi. Ballon pour Kevin De Bruyne. Oh non, là, encore une fois, mauvaise passe, très très mauvaise passe. Décidément, l'équipe des Citizens qui, pour l'instant, ont du mal. Et encore un tacle de Kevin De Bruyne. Attention, car il a déjà un carton jaune. Ça mériterait même un deuxième. En tout cas, ballon pour personne. Car ce ballon est largement botté à côté du goal d'Ederson. Ederson, d'ailleurs, qui se la remet pour Zinchenko. C'est pas fini. Ballon pour Bernardo Silva. Qui lui aussi écope déjà d'un carton jaune. Voilà, maintenant il y a 3 joueurs avertis côté des Citizens. Et ça fait un petit peu beaucoup même. Et attention la tête de Pulisic. Oh là 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 là. Et ça pourrait enfin finir en fond des filets. Bientôt marquer le 1-3. Bon, attention, ballon perdu. Ah non, attention, c'est pas fini. Mount, Jorginho. Bon, attention, c'est pas fini. David Silva qui récupère le ballon. Bon, hein. Attention, c'est pas fini. Toujours Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Et le ballon pour Kepa Arrizabalaga. 4 minutes de temps additionnel. Monsieur l'arbitre a donné donc. Ballon en faveur de Chelsea avec Pulisic. Ballon récupéré. C'est pour Bernardo Silva. Voilà. Et donc voilà les joueurs de Pep Guardiola qui sont tenus en échec pour l'instant pour l'équipe de Chelsea de Monsieur Frank Lampard. Ah ouais non, pour l'instant une équipe de Manchester City qui ne fait pas du tout le jeu qu'ils avaient fait la semaine dernière. Et en tout cas ça fait très très mal parce que Pep Guardiola s'énerve. Et voilà, ça fait très très mal en tout cas pour cette équipe de Chelsea. L'arbitre qui est André Marinier, donc voilà. Et donc fin de cette première période, 1-2, on part tout de suite pour la seconde période. Ici au stade Etihad Stadium. Et pour l'instant le score qui est en faveur de Chelsea. Aussi non, de l'autre côté on a aussi d'autres scores. Alors on a déjà un score. Et la frappe de Pulisic. Corner avec Willian. La tête de Raheem Sterling, c'est du coup un nouveau corner. Attention, un nouveau corner qui pourrait mal se terminer. Willian avec Christian Pulisic. Ouais, non. On va voir qui c'est qui a obtenu le ballon. Un nouveau corner encore avec Willian. L'équipe de Chelsea qui, du coup, est cap pour l'instant de 4 corners consécutifs. Qui pourrait très certainement se terminer par un but. N'Golo Kanté, l'arrêt d'Ederson et encore un corner pour l'équipe de Chelsea. William. Oh, le ballon, la tête de Marcos Alonso. Et donc voilà, un petit peu d'air cette fois-ci pour les Citizens. Ederson sur Nicolas Otamendi. Ballon récupéré, Nicolas Otamendi avec Zinchenko. Ouais non, ballon totalement perdu là, les Citizens qui sont un petit peu nulle part, même énormément nulle part dans ce match. Avec
David Silva. Superbe talonnade en arrière. C'est pas fini, c'est pour du coup David Silva. David Silva qui tente le centre raté. Théodore Abraham. Ballon récupéré pour Nico. Oh, attention, Théodore Abraham récupère quand même le ballon. Ballon récupéré, n'empêche, pour Nicolas Otamendi. Bernardo Silva. C'était du coup pour Kevin De Bruyne, mais ballon perdu. Ballon pour du coup l'équipe des Citizens. Ballon pour Ederson. Nicolas Otamendi. André Ligno. Rodri. Raheem Sterling. C'est pas fini, Raheem Sterling. Raheem Sterling qui ne perd toujours pas le ballon. Ouais, le tacle et le pénalty. Le pénalty pour l'équipe de Manchester City. Carton jaune. Kurt Zouma. Du coup, lui aussi, écope d'un carton jaune. Pour l'équipe donc de Chelsea. Changement David Silva avec les Gundogan pour l'équipe des Citizens. Et changement Mason Mount. Et c'est... j'ai pas vu que c'était. Et le penalty remporté par Sergio Aguero. Et voilà, le penalty des Citizens. 2-2 score pour l'instant. Alors pour entendre les supporters ici, les supporters entonner Sergio dans les tribunes. Et donc voilà, 59e minute, enfin le but égalisateur pour Manchester City. Ouais non, ballon récupéré, les joueurs de Frank Lampard qui sont un petit peu énervés. Avec du coup ce but égalisateur qui perd un petit peu tout sang froid avec Bernardo Silva. C'est pas fini. Théodore Abraham. Voilà, le match est relancé. On avait une équipe favorite, celle de Chelsea, et ici l'équipe des Citizens qui sont à nouveau devant. Bon, on va voir hein, pour un court instant hein, je suppose. Attention, ballon récupéré pour André Ligno. C'est pour avec les Gundogan. Avec Raheem Sterling. On l'appelle la bicyclette. Avec Zinchenko. Non, ballon perdu. Avec les Gundogan. Oh non, ballon perdu, Willian qui récupère le ballon. C'est pas fini, c'est récupéré pour Nicolas Otamendi. Ederson. Avec les Gundogan. Oh, c'est pas fini. Oh, c'est très très loin d'être fini. Ballon pour Kepa Arrizabalaga. Le gardien national brésilien. Avec Théodore Abraham. Azpilicueta. Ballon pour Ederson.
Ouh, c'est un petit peu dangereux ça, cette remise. Eh oui, c'est un petit peu dangereux, ça peut même très très mal tourner pour l'équipe des Citizens. Ederson qui finalement récupère le ballon encore une fois. Oh là 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 là, la mauvaise relance. Et peut-être le but. Théodore Abraham, et c'est pas but, mais c'est bloqué par Ederson avec les Gundogan. C'est ballon pour Raheem Sterling. Raheem Sterling qui est plus rapide que tout le monde. Raheem Sterling, superbe. Oh, Sergio Aguero. La frappe et c'est du coup un corner. Ah, l'équipe des Citizens qui veulent à tout prix gagner hein, ce match. Ils veulent prendre les 3 points. L'équipe de Pep Guardiola. C'est pas fini. Le ballon pour Marco Kovacic. Christian Azpilicueta. Ah non, hors jeu. Hors jeu pour l'équipe de Chelsea. Seulement Kevin De Bruyne qui va donc sortir. Et c'est Fernandinho qui va rentrer à sa place. Nicolas Otamendi. Zinchenko. Attention, Raheem Sterling. Raheem Sterling qui est lancé tout seul. Il peut peut-être marquer le but. Oh là là, on a cru marquer le but. Fernandinho. Sayo Aguero, ballon perdu. Oh, le tacle. Mais avec les Gundogan sur N'Golo Kanté. Oh non, la frappe ratée. Avec Ederson. C'est dangereux un petit peu de jouer comme ça. Avec Ekley Gundogan. Oh non, ballon totalement perdu là, c'est totalement, mais totalement perdu. C'est pour du coup Willian, attention. Ah, Willian et l'arrêt d'Ederson. Changement donc pour l'équipe des Citizens. Zinchenko qui sort et c'est Benjamin Mendy qui du coup rentre. La frappe dans le petit filet de Marcos Alonso. C'est pour du coup Ederson qui préfère jouer court avec Nicolas Otamendi. Azpilicueta. Ballon pour N'Golo Kanté. Willian. On va voir s'il n'y avait pas Hens, mais non. Non, ce n'était pas dans la surface. Et attention, mauvaise passe encore une fois. Et ça pourrait finir, à mon avis, dans le goal. Et non, petit filet encore. N'Golo Kanté. Ederson. Ah, qui a tenté de jouer sur Raheem Sterling. C'est mal donné. Et ce ballon récupéré par l'équipe de Chelsea. Qui a largement dominé dans ce match. Se sont largement dominés, se sont même créés largement plus d'occasions que l'équipe des Citizens. Et là, même les Citizens n'arrivent même plus à sortir de leur zone. Ah ouais, non, là c'est fini, ils sont plus dans leur zone de confort. Et peut-être un troisième but. Et non, c'est un arrêt d'Ederson. Et peut-être là le but sur un corner avec Willian. Ouais, l'arrêt d'Ederson sur Raheem Sterling. Savavero. Ouais, ça va très certainement se terminer sur un match nul comme tout à l'heure avec la Juve, comme
hier avec l'équipe de l'AC Milan. Enfin non, non. Oh, attention le ballon. Et peut-être le but. Non, c'est sur le poteau. Oh là là, l'arrêt. Oh, décidément. Cette équipe des Citizens est en train de vivre un calvaire. Heureusement que c'est bientôt la fin de ce match parce que, croyez-moi, cette équipe des Citizens ne reviendrait pas vivante dans ce match. Et l'arrêt. Tillerson. Et un moment ou un autre, ça va quand même finir en premier filet. Hein. 3 minutes additionnelles. Changement William Pedro. Changement donc pour l'équipe de Chelsea. Benjamin Mendy qui vient quand même essayer de chercher peut-être un penalty. Bon, attention, ballon pour Bernardo Silva. Non, encore une mauvaise passe. Attention, c'est pas fini. N'Golo Kanté, le match qui va se terminer sur un match nul. Ouais, peut-être, attention. Il y avait Pedro, il y a Rodri qui vient récupérer. Et voilà, la fin de ce match. Un deuxième match aujourd'hui qui se termine sur un match nul. Ça fait même un peu beaucoup. Et voilà. Vous pouvez voir tous les matchs que je fais, décidément, ça se termine sur des matchs nuls et ce sont des matchs exceptionnels. Décidément. Ce match arbitré par André Marinier. En tout cas, merci d'avoir regardé ce match. Haute tension, encore une fois, décidément. Les grosses équipes qui ont des difficultés hein, contre... Bah ici c'est un match entre grosses équipes. Deux matchs en tout cas depuis tout à l'heure. Deux matchs exceptionnels. On se retrouve pour un prochain match comme d'habitude. Hein. Salut à tous.